Les mains en bière. Super. Ah, mais c'est... L'aigle centre. Top. Valérie accueille dans son restaurant la nouvelle bière Hucle Centre qui sera vendue exclusivement chez les commerçants du quartier. Il y a eu vraiment une participation de tous les commerçants à savoir qu'est-ce qu'on pensait du quartier, comment on définissait le quartier afin de travailler sur la composition de cette bière et l'élaboration. Même chose quelques mètres plus loin dans le magasin de Sophia. On attendait vraiment qu'un projet puisse mettre en avant notre quartier. Et ça tombe bien, en plus, on aime bien la bière, c'est assez belge. Et voilà, on a hâte de la goûter. Le projet Brassicole Bière de Quartier signe sa 12e bière à Hucle cette fois. Une raide IPA bio brassée de façon artisanale. Les recettes et étiquettes sont inspirées des anecdotes historiques du quartier. On réutilise des invendus de pain du quartier qu'on utilise dans la bière pour remplacer une partie des maltes. Et on a travaillé en essayant d'obtenir une couleur rougeâtre. Et ça, c'est un clin d'œil au vieux Spet, le Spet Redouvel, qui est pas loin d'ici, avec son vieux poil aussi rougeoyant et le côté diaboliquement rouge. C'était un établissement qu'on ne pouvait pas le mettre de côté par rapport à cette recherche. C'est à la demande du collectif des riverains qu'est née cette bière. Objectif, soutenir les associations et les commerçants du Hucle Centre. La majeure partie est distribuée et commercialisée par l'Union des commerçants au profit de l'Union des commerçants et des commerçants revendeurs. Et il y a 1 euro par bière qui sera reversé en fait, à l'Union des commerçants. Donc c'est une bière un petit peu plus chère, mais voilà, elle n'est pas très amère parce qu'elle est vraiment solidaire. L'occasion de profiter de l'Euro de football ou encore de la fête des pères, une bière à la main. Avec modération évidemment.